Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des semi-remorques américains chez Altaïa. Nous en sommes au numéro 27 avec cette énorme remorque. Vraiment, là, pour ce numéro, là, on a vraiment du lourd, hein. C'est vraiment le cas de le dire, hein, avec ce Peterbilt 377 AE datant de 1998. Est vraiment incroyable. Oh là 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 là, il est vraiment superbe. Hein. Oh, magnifique. Vraiment, les détails sont absolument bluffants. C'est vraiment superbe. Cette collection vraiment absolument géniale. Alternant les anciens véhicules avec les nouveaux. On va voir ça d'un peu plus près quand même, ça. Ça vaut le coup d'œil. Hein. Oh. Celui-ci est une entreprise de Philadelphie. Voilà. Turbochargeur, superchargeur, ouais, c'est vraiment. Je trouve que c'est en plus une idée vraiment originale de mettre des entreprises. De véritables entreprises, hein, pas des fausses, hein, pour ces modèles. Ils sont vraiment superbes. L'arrière. Hein. Tout est vraiment pensé au millimètre près dans cette collection. C'est absolument époustouflant. À chaque modèle qui sort, on reste vraiment sans voix. Hein. Même pour les personnes. Au départ, je voulais pas faire cette collection. Hein. Vraiment, c'était vraiment pas mon truc. Et bah, au final, je suis vraiment époustouflé. Hein. Vraiment, à chaque numéro qui sort, on a vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Vraiment un magnifique modèle. On va jeter un petit coup d'œil au fascicule aussi. Hein. Voilà. Peterbilt 377 AE. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme? Dallas, tiens. Dallas. Un article sur Dallas. Surnommé la Big D. Vraiment. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas les États-Unis, avec ces fascicules, c'est sûr qu'on en apprend un peu plus. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est bien. Donc la page centrale, hein, avec le modèle, hein, comme d'habitude. Hein. Bon, là, c'est une autre entreprise. Toujours avec les caractéristiques techniques. Hein. Les ponts dans le désert. Ah ouais, ça c'est. Ouh, bah c'est original, tiens, pour. Comme article. C'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a quand même pas mal de ponts. Hein. Mais je parle pas simplement des grandes villes. Hein. Waouh. Regardez-moi ça. Pour l'Arizona. Oh, franchement. Sincèrement, je... Wow, je sais pas si je passerai dessus. C'est plutôt flippant. Mais bon. Waouh. Tiens, Rio Grande, tiens. Gorge Bridge. Ah ben, il est plutôt pas mal ce numéro. Fascicule est plutôt bien là. Ça change un peu. Allez, retour au modèle. Voilà, splendide modèle. Toujours en vente au prix de 31,99€ hein, chez Marchand de Journaux. Si ça vous dit d'en acheter un, après tout, pourquoi pas, vous n'êtes pas non plus obligé de faire la collection. Mais pourquoi pas d'acheter au cas par cas, hein, si le modèle vous a plu. Hein. En tout cas, celui-là est vraiment sublime. Hein. Je fais des gros plans parce que ça vaut le coup. Quoi. C'est vraiment superbe. Regardez-moi ça, les calanques et tout.
Vraiment un travail de précision de fou. Voilà. Voilà pour ce 27e numéro et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de cette collection absolument ahurissante.